Mais avant de commencer ce journal et en ce jour de la fête de la musique, retrouvons David Segal et Arnaud Liebenmann en direct du centre-ville. Alors David, quelle est l'ambiance du côté de la place de la République? Eh ben écoutez, l'ambiance est un petit peu, pour l'instant on attend un petit peu parce qu'en effet la pluie est un petit peu ralentie ce 30e anniversaire de la fête de la musique. Alors il faut savoir qu'on attend près de 400 000 personnes ici ce soir dans les rues de Lyon, près de 2300 chanteurs, plus de 100 structures, 80 scènes allant du rock à l'électro en passant bien entendu par le hip-hop. Petit coup de cœur, place des terreaux à 19h, on pourra assister à une batucada géante avec près de 700 percussionnistes. Donc vous pourrez découvrir tous les styles seront donc représentés et puis c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux genres comme ici place de la République où je me trouve actuellement. Dans quelques instants on va pouvoir découvrir le guaco, un rythme tout juste venu de la Guadeloupe avec le Tropical Village et le groupe Tambou Caraïbe. Donc même avec la pluie on peut dire que cette fête de la musique s'annonce plutôt chaude. Merci beaucoup David.